Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce lundi dans l'octave de Noël, où nous fêtons les saints innocents. Lu par la sœur Julienne Adobouet, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Marcel Bédégué, de la Société des Missions Africaines. Commenté par le père Magloire Guétou, de la Société des Missions Africaines. Première lecture. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Chapitre 1, verset 5. Chapitre 2, verset 2. Bien-aimés, tel est le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière. En lui, il n'y a pas de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui
Alors que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs, nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste va jusqu'à pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous sommes sans péché, nous faisons de lui un menteur et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement les nôtres, mais encore ceux du monde entier. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 123. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand des hommes nous assaillirent, alors ils nous avalaient tout vivants dans le feu de leur colère. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Alors le flot passait sur nous, le torrent nous submergeait. Alors nous étions submergés par les flots en furie. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Béni soit le Seigneur, le filet s'est rompu, nous avons échappé. Notre secours est le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. À toi, Dieu, notre louange. Toi, le Seigneur, nous t'acclamons, toi, dont témoignent les martyrs. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 2, versets 13 à 18. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit: Lève-toi,
prend l'enfant et sa mère et fuit en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. D'Égypte, j'ai appelé mon fils. Alors, Hérode, voyant que les mages s'étaient moqués de lui, entra dans une violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans à Bethléem et dans toute la région d'après la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Un cri s'élève dans Rama, pleurs et longues plaintes. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée, car ils ne sont plus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien chers frères et sœurs dans le Christ, l'évangile d'aujourd'hui nous montre que la naissance de l'enfant Jésus, Fils de Dieu, qui nous est donné comme Sauveur du monde, ne suscite pas que de bonnes nouvelles. Après Étienne, c'est au tour des nouveau-nés de Bethléem, communément appelés les saints innocents, à y laisser leur vie. Si la première lecture tirée de la lettre de Saint Jean nous parle de Dieu comme lumière et de son Fils, comme celui qui vient nous libérer du péché. L'évangile cependant nous montre que tout le monde n'est pas de cet avis. Le personnage d'Hérode représente ici le monde des ténèbres, ce monde qui voit l'enfant qui vient de naître, Jésus, comme une menace à éliminer à tout prix. Oui, chers frères et sœurs, qui décide d'accueillir ou d'accepter Jésus comme sauveur doit se préparer à faire face à des oppositions. Qui décide d'être chrétien, nous rappelle Saint Jean, ne peut qu'être au service de la lumière, au prix même de donner sa vie. Sommes-nous prêts à ce sacrifice? Être chrétien, c'est d'accepter de mourir chaque jour pour que par notre vie, cette lumière qu'est le Christ puisse continuer à briller au cœur du monde pour le salut des autres. Amen. Soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.